Salut à toi et bonne année. Alors prioritairement la santé parce que sans elle, tu peux pas faire grand chose, ça c'est un fait. Donc encore une fois, une bonne et une heureuse année 2022. Il est temps de faire un bilan rapide de l'année 2021 qui vient de s'achever. Alors qu'est-ce que j'en ai tiré sportivement parlant et même personnellement? Puis par la suite, je vais te parler de ce qui se passera en 2022, les projets et l'organisation de mon calendrier de course. 2021 aura été une année très particulière parce que j'avais jamais enduré une telle préparation, un tel entraînement pour réaliser des épreuves d'endurance. C'était une première pour moi, non seulement au niveau de la préparation, mais aussi au niveau de la distance. La façon progressive dont j'ai évolué pendant 3 ans, ça m'aura permis d'en apprendre énormément lors de ces 6 mois de préparation que j'ai pu endurer, sur la manière notamment de comment s'entraîner avec la méthode biathraining et l'entraînement à la sensation, comment j'ai pu gérer les périodes de fatigue et de récupération et prendre aussi conscience par la même occasion que ces qualités sont plus tout à fait les mêmes que lorsque j'avais 20 ans, ça c'est pas un scoop non plus. C'est assez important de le réaliser parce que ça permet d'en apprendre d'autant plus sur soi en mettant tout à plat l'expérience qu'on a pu accumuler au cours de ces années sportives. Cette préparation, elle m'aura donc permis de m'aligner sur mon épreuve majeure de la saison, le 4 juillet, à savoir pour le marathon du Mont Blanc, le format 42 km. Qui malheureusement n'en faisait que 38 cette année-là. Alors grâce à l'entraînement que j'ai pu suivre, je suis bien évidemment arrivé plus confiant que jamais et honnêtement, j'ai kiffé du début à la fin, même si j'ai pu avoir une petite baisse de régime sur la fin suite à 2 petites erreurs. Mais honnêtement, cette course, ça reste une expérience exceptionnelle et il n'est pas impossible que je retente ma chance un de ces jours, pourquoi pas, afin que je puisse au moins faire le parcours original de 42 km cette fois-ci. Après un petit repos, en baissant considérablement le volume, j'ai entamé une nouvelle préparation pour le Serche Trail Salomon, le petit tour des Serres, le parcours qui fait 27 km et environ 1800 m de D+, qui a eu lieu le 12 septembre. Alors là aussi, je suis arrivé avec la même confiance qu'au marathon du Mont Blanc. Et là aussi, c'était une course qui était vraiment magnifique, que je conseille parce qu'elle offre tout simplement des paysages magnifiques, superbes. Le seul hic en ce qui me concerne, c'est que je ne fais pas partie de ces gens qui encaissent l'altitude de façon optimale. Alors ouais, j'en ai souvent parlé dans mes précédentes vidéos et dans plusieurs vidéos. J'ai beaucoup de mal à m'adapter à l'altitude. Il me faudrait plusieurs semaines pour estomper ces effets. Il faut savoir qu'au-delà de 2200 mètres, mes performances elles diminuent fortement et j'ai aucun contrôle sur ce phénomène. Donc c'est un paramètre qu'il faudra néanmoins que je prenne en compte à l'avenir si je ne veux pas être surpris au niveau des résultats que je prévois. Après cette épreuve, je me suis accordé un bon break où je faisais juste de l'entretien avec très peu de volume et pas du tout d'intensité. C'est après que j'ai entamé en quelque sorte la préparation de ma prochaine saison en débutant sur une préparation physique et plus particulièrement sur de la musculation pour donner à mon corps une bonne fondation et attaquer les entraînements de 2022 qui m'attendent dans les meilleures conditions. C'est une préparation que je fais dans le but originel d'être plus fort en montée, qui est d'ailleurs mon gros point faible, on en a déjà parlé. Et j'ai d'ailleurs dédié un format particulier pour traiter exclusivement de ce thème. Ça s'appelle Objectif Trail et je reviens sur chaque étape de mon plan en expliquant pourquoi et comment je procède pour devenir plus fort en vitesse ascensionnelle. Venons-en maintenant à ce qui nous attend pour 2022. Si tu me suis, tu as pu constater que je n'étais pas très actif ces derniers mois. Il y avait bien évidemment une raison à ça. Ça fait un petit peu plus de 6 mois que je travaillais sur un projet et pour le finir dans le temps que je m'étais imparti au départ, il a fallu que je mette les bouchées triples. Alors comme j'aime le travail bien fait, je ne souhaitais pas m'éparpiller dans tous les sens. Et c'est pour cette raison que je me suis consacré à 100% sur ce projet que je te présenterai début février et si tout se passe bien, le premier. Alors on croise les doigts. On verra. Bien entendu, je consacrerai une vidéo entière à sa présentation. Il me tarde réellement de partager tout ça avec toi parce que je suis vraiment fier du résultat final et j'aurais jamais, mais alors jamais pensé qu'il y a encore quelques années que je pouvais proposer un tel truc. Donc rendez-vous début février. On en vient maintenant au calendrier des courses. Je peux d'ores et déjà te dire que j'en ai 4 de prévus. J'ai fait une liste qui est bien évidemment non exhaustive parce que compte tenu de la crise sanitaire qui perdure toujours à l'heure où je fais la vidéo, ajouté au facteur aléatoire du tirage au sort, il est bien probable que je ne puisse pas être présent sur toutes. Je peux néanmoins te certifier que je serai déjà officiellement sur l'une d'entre elles et ce sera roulement de tambour.
le marathon du Mont Blanc. Ouais, c'est original, j'y ai pensé. Non, mais cette fois-ci, ça sera le format 23 km. Pour en revenir au calendrier, j'ai décidé de suivre une logique progressive au niveau des distances. Je commencerai fin avril avec une distance très courte. Bon, très courte, tout est relatif pour ceux qui écoutent, qui débutent. Donc, c'est très court, de 16 km et 390 mètres de D+. Avec le Madeira Island Ultra Trail, le Mute, une île magnifique, des trails magnifiques, bon bref, sans épiloguer. J'ai entamé mon début de saison là-bas, si c'est possible, bien évidemment. La seconde course sera donc le marathon du Mont Blanc, hein, comme je l'ai expliqué précédemment, le format 23 km cette fois-ci. C'est acté, j'ai eu de la chance d'être tiré au sort. Et je m'étais inscrit parce que j'étais tout d'abord curieux, puis au niveau du calendrier, elle tombait plutôt bien par rapport à ma prochaine course, qui sera sans doute là. Course de cette année 2022 pour moi, c'est Arzinal. C'est une course sur laquelle je lorgne depuis mes débuts par rapport à son historique, par rapport à ses paysages. Et puis à chaque fois où j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Véronique Billa, qu'il a d'ailleurs gagné au début des années 80, faut dire qu'elle m'a bien vendu le produit et ce sera donc vers la seconde semaine d'août que la course devrait se dérouler et que je devrais me trouver donc en 2022. Pour la dernière course de la saison, j'aimerais terminer sur une distance marathon entre 40 et 50 km. J'ai déjà quelques idées en tête comme retourner à Madère, mais j'ai pas encore arrêté un choix définitif, donc on verra en temps voulu. Mais si tu as des suggestions pour le mois de septembre ou pour le mois d'octobre, je suis preneur. Tu peux les laisser dans les commentaires ci-dessous. Bien entendu, comme je le disais, il n'est pas impossible que le tirage au sort joue pas en ma faveur. Et dans ce cas-là, je trouverai facilement une course qui soit analogue. Malgré le fait que je veuille des courses qui soient plus populaires, il existe quand même des courses qui le sont peut-être moins, mais qui demeurent tout aussi belles et tout aussi bien organisées. Ensuite, pour ce côté professionnel, pour le côté professionnel et tout ce qui tourne autour de Passion Trail, il y a encore pas mal d'interrogations sur certaines propositions. Il faudra bien que je fasse un choix à un moment donné et je ne manquerai pas de te tenir informé via les réseaux sociaux. En ce qui concerne le contenu, je vais de nouveau être un peu plus présent. Je vais profiter de cette période hivernale pour rechausser les skis de rando, ou plutôt le splitboard, hein, le snowboard coupé en deux. Je partagerai avec toi quelques-unes de mes sorties d'ailleurs, où j'effectuerai des séances qui sont spécifiques dans le but de travailler l'endurance de force et mon cardio. On est là dans une bonne illustration, une illustration parfaite d'activité croisée, et ce sera le moment de te montrer concrètement le but d'un tel entraînement. Voilà donc pour ce petit bilan 2021 et cette intro pour 2022. Si tu as une quelconque question, surtout n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Encore une fois, je te souhaite une excellente année 2022. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos et surtout pour l'annonce du 1er février, si tout va bien. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!